Un oiseau avait fait son nid sur une petite corniche, mais je ne pouvais pas l'atteindre. J'avais beau essayer, le nid était hors d'atteinte. Et voilà le travail. Je distinguais brièvement une silhouette familière. Harry avait pu me rejoindre. C'était une statue de pierre. Le dos avait été creusé et contenait les cendres d'un feu. J'avais trouvé du petit bois. Regardez, monsieur! Le démon, il est là! Imbécile, c'est une ruse. Revenez immédiatement. Allez, Harry, il faut que tu partes. Alors que mon Australien déjanté me sauvait la vie, j'étais certain d'une chose. Je n'étais pas prêt de revoir mon bureau dans l'Idaho. J'en avais plus qu'assez des brevets. Non, j'allais partir pour l'Angleterre. À la recherche du mystérieux Bruno. Glastonbury, en Angleterre, terre de légendes et de balivernes mystiques. Joseph d'Arimathie serait venu jusqu'ici depuis la Terre Sainte. Et sûrement pas pour acheter un cristal hors de prix. Quelque part au milieu de ces niaiseries New Age se trouvait un certain Bruno. Et je comptais bien le trouver. Je n'allais pas partir avant d'avoir fini ce que j'étais venu faire. Ugh.
Il y a quelqu'un? Belle journée, n'est-ce pas? Pour vous, c'est facile à dire. Ma foi, oui. Vous ne trouvez pas? Non, monsieur, pas du tout. Sans vouloir être indiscret, pour quelle raison? Ha! Vous ne pouvez pas comprendre. Peut-être que si. Impossible, monsieur. Sauf si vous êtes en paix à vous aussi. Et ce n'est pas le cas, je me trompe? Non, mais comment avez-vous deviné? Regardez-vous avec votre allure de blanc bec, votre front sans une ride, votre optimisme aveugle. Quel est donc ce problème que seul un père peut comprendre? Si je vous le disais, vous ne comprendriez pas. Essayez toujours. J'avais élevé des têtards une fois. Ça devait sûrement être la même chose. Très bien. Vous avez entendu parler du Festival Pop de Glastonbury? Le Festival Pop de Glastonbury? C'est l'un des festivals pop les plus populaires du calendrier annuel des festivals pop. Ma fille Mélissa y est allée cette année. Sans mon consentement, bien entendu. Vous n'aimez pas la musique? Mon cher, le fait de se mêler à une foule d'adolescents dénudés qui sautillent dans une folle transe hypnotique sur une musique qui transforme leur cœur en yo-yo tout en se nourrissant de fast-food hippie et en consommant d'étranges breuvages alcoolisés accompagnés de substances hallucinogènes psychotropes, ce n'est pas vraiment ainsi que j'envisage les loisirs de ma fille. Waouh, quel pied! Je vous demande pardon. Je disais, est-ce que votre fille s'est bien amusée? Elle n'est jamais revenue. Ah, vous avez prévenu la police? Cette histoire ne concerne pas la police. Mélissa m'a téléphoné pour dire qu'elle ne rentrerait pas. Elle a appelé de Glastonbury. Elle est toujours ici, quelque part. Et si elle s'est liée avec un de ces dégénérés, j'ai mon purdey dans la Land Rover. Votre quoi? Calibre 12, double canon pour exterminer la vermine. Je m'appelle George Stabat. Un Yankee? Colonel Butley, des lanciers de Rutland, 3e bataillon, à la retraite. Vous savez, je me doutais que vous étiez un soldat. Soldat un jour, soldat toujours, n'est-ce pas? C'était sûrement ça. Ou alors l'aura de violence latente qu'il projetait. Vous reconnaissez ceci? C'est la butte de Glastonbury. Que savez-vous au sujet de cette butte? C'est un bon endroit pour déployer la tuerie. C'est cela, oui. Merci beaucoup. Cette carte d'identité vous dit quelque chose? Ce n'est pas vous. Jamais vu ce type. Vous l'avez trouvé? Oui. Vous devriez la remettre à la police. L'endroit semblait désert. Oh, hé, je suis là! Les filtres parfaits de Miss Granger. Filtre d'amour, élixir de fortune, potion de croissance. Tous portaient une mention en petits caractères. Les publications Granger déclinent toute responsabilité en cas d'effet secondaire ou d'échec. Apparemment, les sorcières, elles aussi, préféraient éviter les procès. La boîte contenait un gadget en forme d'étoile. La notice indiquait « Signe des anciens, éloigne les dieux ancestraux et autres entités cosmiques. J'en aurais peut-être eu besoin au Moyen-Âge.
C'était un signe des anciens qui éloignaient des trucs plus visqueux que les vampires. Le présentoir contenait des cartes postales de sites pittoresques, le style classique. Soudain, je remarquais les mêmes que celles que j'avais trouvées au Congo. J'étais sur la bonne piste. Avalon enchanté, l'air d'une ère mystique. Ce livre avait l'air passionnant. Oh, vous avez trouvé mon petit chef-d'œuvre. C'est vrai qu'il n'est pas très épais. Comment donc? C'est un recueil de poésie. La taille importe peu. Chouette, la couverture. Merci. Je l'ai choisi moi-même. Je publie à compte d'auteur. Les gros éditeurs ne comprennent rien à la spiritualité. Et ces pièces? Là, c'est Joseph d'Arimathie apportant le Saint Graal jusqu'ici. L'enterrement d'Arthur et de Guenièvre. Et, bien sûr, Saint-Michel combattant le dragon sous la butte. Chaque pièce en argent commémore un événement de l'histoire de Glastonbury. L'histoire? J'aurais plutôt dit le folklore. En argent, vous dites? Métal argenté, en fait. C'est un de mes amis qui me les fabrique. Salut, je m'appelle George Stobart. Bienvenue au Cosmic Fairy. Je suis Tristan Hillage, le maître des lieux. Je peux vous aider? Je l'espère. Je parie que Glastonbury est un lieu très mystique, non? Bien plus que vous ne le pensez, croyez-moi. Joseph d'Arimathie est venu ici. Vraiment? La légende du roi Arthur, de Guenièvre et d'Excalibur s'achève ici. Waouh! Et la butte? Cette grande colline est l'entrée d'Avalon, la demeure des fées. Et il y a aussi des cercles dans les champs, des gens qui ont vu des ovnis. Et c'est tout? Sans oublier les fantômes, les cerbères, les lueurs spectrales. Ah oui, là c'est totalement mystique. Comment vont les affaires? Plutôt bien en fait. Il n'y a pas foule. Vous avez raté l'heure de pointe. Mais qui vient faire ces emplettes ici, en général? Des gens ouverts d'esprit. Êtes-vous ouvert aux nombreuses possibilités de l'existence? Ah oui, absolument. Après tout ce que j'ai vécu, le contraire serait étonnant. Vous vendez ces cartes postales? Oui, nous avons l'exclusivité. Peut-on les trouver dans d'autres boutiques? Non, d'où le terme « exclusivité ». Vraiment? Je l'ignorais. Y a-t-il autre chose pour votre service? Connaissez-vous un certain Bruno? Bruno... Je ne crois pas. Vraiment? Oui, vraiment. Vous en êtes sûr? Bien sûr que oui! Je n'ai jamais rencontré de Bruno! Vous avez l'air très sûr de vous. Le ton de sa voix avait immédiatement éveillé mes soupçons. Je pense que vous cachez quelque chose. Qui est Bruno? Où peut-on le trouver? Je ne vois pas de qui vous voulez parler. Sortez de ma boutique, vous me tapez sur les nerfs! Oh, je vais partir. Mais pas avant que vous ayez répondu à mes questions. Misère. Vous n'êtes pas un inspecteur des impôts, j'espère. Grand Dieu, non. Je suis avocat, certes, mais j'ai ma fierté. Allez-vous enfin me dire qui est Bruno? Non. N'oubliez pas que je suis avocat. Un avocat américain. Ce n'est pas ça qui va impressionner le flic du coin. Ce type allait me donner du fil à retordre. Vous avez déjà vu cette personne? Non, jamais. Hé, y a quelqu'un là-haut? Non, c'est juste le bois qui craque. Vous me prenez pour un idiot? Bruno est à l'étage. Puisque je vous dis que non! Je vous laisse une dernière chance. Allez vous faire voir. Je n'étais pas plus avancé. Voilà ce qui arrive quand on sèche les cours de droit pénal. Le présentoir était plein de petits manuels effrayants. Les Rose-Croix et la télé-réalité.
la cuisine d'Aleister Crowley. Les Nokéens ont dit le son. Chaque titre cachait un écrivain miteux payé en droit d'auteur. Je ne voulais pas de ce tableau. Au mur, un tableau m'expliquait tout ce que j'avais toujours voulu savoir sur les pentacles. C'est-à-dire pas grand-chose. Hey, les clients n'ont pas le droit de monter. Ben voyons. Nous n'acceptons ni prospectus, ni colporteur, ni démarcheur. J'ai décidé de ne pas les déranger. À cette heure matinale, tout le monde devait être au travail. Bonjour, je m'appelle Stobart, George Stobart. C'est fascinant. Avec deux T et deux B. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui pensent que c'est Stobart. Plus rien ne me surprend de nos jours. Eamon O'Mara. Vous êtes Irlandais? Non, Hawaïen, les O'Mara de Maui. Vous me faites marcher. Absolument. Vous êtes surprenant de perspicacité. Il est clair que vous avez un raisonnement cognitif lucide et rationnel. Alors, que me voulez-vous, monsieur Stobart? Vous faites du tourisme? Non, des recherches. Devant un pub? Je mène une enquête sociologique sur l'heure d'ouverture de ce débit de boisson. Dans une société civilisée, tout homme devrait pouvoir boire un verre à cette heure-ci. Mais il est 10 heures du matin. Je ne vous le fais pas dire. Vous n'avez pas soif à ce point, quand même. Vous soulevez un point important. On devrait en parler devant une bière. C'est trop tôt pour moi. Vous avez raison. Je serai ravagé avant le temps des roses avec mon pauvre foie rongé par la cirrhose. Des roses et une cirrhose. Il ose. Et que faites-vous ici? Bonjour, je suis Eamon O'Mara et je me trouve aujourd'hui dans la charmante bourgade de Glastonbury. Désolé, je ne comprends pas du tout. Ça m'aurait étonné. Hé, attendez un peu. Top! Je suis un Irlandais professionnel des médias. Je recherche mon prochain sujet pour la BBC. Je suis. Vous préparez une émission de télé. Bravo! Vous avez gagné une encyclopédie! Je visite les villages, j'interviewe les gens du coin et je goûte aux spécialités locales. Comment s'appelle votre émission? Eamon dans l'Angleterre profonde. Sympa. Et la prochaine aura pour sujet Glastonbury? Ah, je reconnais bien là votre raisonnement cognitif fin et précis. Comment êtes-vous entré à la télévision? Par accident, en fait. Je faisais une lecture dans une librairie de Londres quand un producteur de la BBC est entré avec des grands yeux et a pointé son doigt sur moi comme si j'étais le Messie. En me disant, c'est vous! C'est tout à fait vous! Vous êtes écrivain? Attention à ce que vous dites, pas écrivain. Poète. La poésie est un don des dieux à la terre d'Irlande. Yeats, Wilde, Joyce. Bono. Ne me cherchez pas. J'ai peut-être l'âme d'un poète, mais j'ai aussi le crochet d'un poids moyen. Vous avez vu ce type qui arpente la rue? Le militaire? C'est le genre d'anglais qui me file des allergies. Ah bon? Pourquoi? Il me faudrait plusieurs siècles pour vous expliquer. J'ai peur qu'il ne soit là pour tuer quelqu'un. Voilà, vous commencez à avoir les mêmes allergies que moi. Que pensez-vous de cette ville? C'est un véritable parc d'attractions. Où sont passés les touristes? Je l'ignore. C'est peut-être pas la saison des hippies. Vous connaissez bien cette ville? Les pubs ne sont pas mal, quand ils sont ouverts. Oh, je comprends. Vous êtes ici pour ces histoires de fées, c'est ça? De fées?
Vous voyez cette colline? Oui. C'est là que les fées gardent Excalibur, l'épée du roi Arthur. Vraiment? Bien sûr que non. Vous connaissez la boutique Cosmic Fairy? Bien sûr, j'y achète tous mes filtres d'amour. C'était juste une question. Cette carte postale vous dit quelque chose? Non, elle devrait. Je ne pense pas. J'essayais à tout hasard. Qui est ce Bruno? J'aimerais bien le savoir. Cette carte d'identité vous dit quelque chose? La photo n'est pas flatteuse. Elle ne vous ressemble pas du tout. Ce n'est pas moi. Oui, je m'en doutais. Vous, vous êtes beau gosse, photogénique, pas vrai? Non, ça ne me dit rien du tout. Je tentais d'ouvrir la porte. Le pub n'était pas encore ouvert. Il y a quelqu'un? Je n'allais pas partir avant d'avoir fini ce que j'étais venu faire. Bonjour, je suis... N'en dites pas plus. Je suis Madame Zazie. Je sais tout. Je vois tout. Prenez place. Vous avez fait un long voyage. Facile. Avec mon accent, elle n'a pas eu de mal. Vous, vous êtes venu chercher la vérité. Les clichés ont la vie dure. Georges Tobart. Quoi? Mais comment? Je sais tout. Je vois tout. Bon, d'accord. Là, elle marquait un point. Que pouvez-vous me dire sur l'homme qui est devant le pub? Il a traversé les mers. Il a des opinions bien arrêtées. Il cherche la connaissance, mais pas pour lui-même. Vous voyez tout ça dans votre boule de cristal? Non, à la télé. C'est Imon O'Mara. Que pouvez-vous me dire sur l'homme qui arpente la rue? Son aura brille du rouge de la colère. Un peu comme son nez. Un être qui lui est cher échappe à son emprise. Il se sent désarmé. Bizarre, j'aurais juré le contraire. Que pouvez-vous me dire sur cette boutique, Cosmic Fairy? On y vend des bougies, de l'encens. Mais le gérant, Tristan Hilledge, est surmené. Il y a beaucoup d'anxiété dans son aura. Il s'est déboîté le karma? C'était juste pour détendre un peu l'atmosphère. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Des années. La butte génère des ondes d'énergie positive. Et un chiffre d'affaires confortable. On ne peut pas vivre d'énergie et d'eau fraîche, hein? Vous reconnaissez cette carte postale? C'est la butte. Ils vendent les mêmes au Cosmic Ferry. Oui, elle a été achetée là-bas. Mais j'ai besoin de renseignements sur son expéditeur. Donnez-la-moi. Quoi? Pourquoi? Il reste parfois une empreinte psychique. Bien sûr. Bruno a peut-être laissé la sienne sur cette carte en l'écrivant. Vous n'oubliez rien? Pardon? Il faut me donner un sou pour ma peine. Ah oui, bien sûr. Attendez, j'ai ma carte de crédit. Je ne prends pas les cartes de crédit. Je crois que j'ai quelques euros. Je ne prends pas les euros. Et les doublons, les lingots d'or, les tickets de loto. Je n'accepte que l'argent.
Rebonjour. Que pensez-vous de la voyante? Madame Zazie, une voyante traditionnelle, boule de cristal, tarot, la routine. Car dans mon sang courait la foudre, sombre Morgane, chère Morgane. Oui, dans mon sang courait la foudre rouge qui parcourait mon sang. Chère Morgane. Qu'en pensez-vous? Oh, c'est pas mal. Oui, je n'en suis pas peu fier. Sur le monde s'étendent les ténèbres, sommeil, tandis que pleurent les cieux. Pas mal. J'y m'étais peut-être trompé sur son compte. Si un homme venait à me tuer, non par erreur ou d'un coup heureux, non par le vin ou par la fête, j'ai scellé par avance une malédiction dans ses mots. À ses frères et parents, son acte est malfaisant. Je n'avais pas le temps de lire tous les poèmes. Rebonjour. Vous disiez avoir du mal à trouver un éditeur. Les éditeurs. Tous des philistins. Il faudrait vous faire connaître un peu plus. Certes, mais la publicité coûte cher. Vous pourriez passer sur la BBC, dans l'émission Demon O'Mara. Ce serait génial, mais c'est malheureusement impossible. Ne vous inquiétez pas, je connais Eamon depuis... Oh, très longtemps. Au moins 5 minutes. Vous voulez que je lui en touche un mot? Il est à Glastonbury. Vous feriez ça? Merci, merci infiniment. Il faudrait que je lui montre votre travail. Bien sûr! Tenez, prenez un exemplaire. Ne vous en faites pas, il va adorer. Avalon enchanté, lait d'une ère mystique. Ce recueil de poèmes était l'œuvre du type de la boutique Cosmic Fairy. La couverture plastifiée contenait des pièces d'argent. Les 3 pièces commémoratives provenaient du recueil de poésie. Salut, Eamon. Le type qui tient la boutique Cosmic Fairy serait parfait pour votre émission. Ce vieux hippie? On n'est pas à Woodstock. Les tuniques indiennes, non merci. Timothy Leary n'avait rien dans la tête. Et je préfère de loin les Clash aux Beatles. Je croyais que vous cherchiez des personnages insolites. Les hippies ne sont pas insolites. Ils sont nuls. Je trouve qu'il a du talent. Tenez, lisez. Avalon l'enchanté, lait d'une ère mystique. Vous voulez ma mort? Lisez-le, vous ne serez pas déçu. Ah, si vous le dites. Car dans mon sang courait la foudre. Sombre Morgane, chère Morgane. Pas mal, non? Non, pas du tout. Oui, dans mon sang courait la foudre rouge qui parcourait mon sang. C'est magnifique. Tu parles. C'est un texte de James Clarence Mangan, inspiré par sa bien-aimée Rosaline il y a 2 siècles. Quoi? Écoutez ça. Les fées sont une race qui chérit le silence. Leur peau de la pâleur des blanches fleurs de lys. C'est du Samuel Ferguson. Quelle honte! C'est un véritable scandale! Darley, Griffin, Aubrey de Vere. Mais il a pillé tous les auteurs ou quoi? Il a tout copié? Chaque mot, chaque phrase.
Oh, et le mieux, l'auteur se réserve le droit d'être reconnu comme le créateur de cette œuvre. Sale petite ordure, pilleur de tombes, il va voir ce qu'il va voir. Bien le bonjour, amis voyageurs. Puis-je vous aider? Vers l'île d'Avalon, où ni grêle, ni pluie, ni neige ne tombe et où vent ne fait jamais rage, mais il repose. Je vous demande pardon? Heureuse Avalon, couverte de prairies et de délicieux vergers, berceau de verdure embrasant la mer estivale. C'est beau. C'est même très beau. Et pour cause, c'est du Tennyson, mangeur de tofu décérébré. C'est son mort d'Arthur, pas celui de Thomas Mallory, mais nous ne lui en tiendrons pas rigueur. Bon, vous vous souvenez du roi Marc de Cornouailles dans cette chanson? J'ai bien lu Mallory, mais... Vous vous souvenez du différend opposant le chevalier Tristan et le sœur Marc? Car Tristan s'était emparé de ce qui ne lui appartenait pas. Mon Dieu, vous voulez dire... Mélissa? Je peux tout vous expliquer. Non, pas Mélissa, crétin! Isotte! Je ne suis pas sûr de comprendre. Je parle de plagiat et de possession. Vous êtes manifestement possédé par l'esprit de Mangan, Griffin et de Vire, entre autres. Hein? Oui, ah! Quel miracle d'avoir convié ces illustres plumes dans votre petit recueil! Mais quel dommage que ces poètes aient entrepris de réécrire leurs propres œuvres, mot pour mot! Attendez, je peux tout vous expliquer! Ça, c'était ma réplique préférée. Mais il était temps pour moi d'opérer un repli stratégique. Bien, j'attends. En retour, je vous donnerai un petit cours sur la boxe dans la littérature irlandaise. Oh! Bonjour. Désolé, j'arrive à l'improviste. J'aurais pu être en train de me déshabiller. J'ai eu de la chance, alors. Bien au contraire. C'est quoi votre nom? George. Et vous? Mélissa. Vous êtes venue me sauver? Mélissa? Mélissa Butler? Comment vous connaissez mon nom? Votre père fait les 100 pas dans la rue. On dirait Godzilla, en pire. Papa? Oh mon Dieu! C'est vrai? Oh mon Dieu! C'est vrai? Oh, il me rend dingue! Vous pouvez pas savoir! Vous savez, vous me rappelez quelqu'un, mais je ne sais plus qui. On est peut-être sortis ensemble dans une autre vie. Vous savez, malgré vos mauvaises manières, vous êtes tout à fait mon type. À propos de votre père... Vous travaillez pas pour lui, au moins? Non. Dommage. Je serais déjà rentrée si vous étiez le jardinier. Je crois que votre père s'inquiète pour vous. Il s'inquiète de me voir grandir. Eh bien, c'est trop tard. J'ai grandi. Et je suis très bien comme ça. Vous avez un petit ami? Vous avez une copine? Pas vraiment. Intéressant. Donc, vous avez fugué? Si on veut. Votre père est un monstre? Non, c'est un gros nounours. Vraiment? Leur genre grizzly, avec des griffes de 20 cm. Vous avez vu des choses bizarres depuis que vous êtes à Glastonbury? Rien, en dehors des habitants. Il y a un type qui fait des émissions pour la BBC devant le pub. Oh, la BBC et ses émissions culturelles. Ce n'est pas aux US qu'on voit des émissions comme ça, je crois. Vous êtes allé voir la voyante en haut de la rue? Pour qu'elle me dise quoi? Vous allez rencontrer un grand type avec une grosse moustache et un fusil de chasse? Il ne se promène pas vraiment avec un fusil, si? Bien sûr que si. Il y tient, c'est sentimental. J'espère qu'il ne va pas tuer Tristan.
Comment avez-vous connu Tristan? Je l'ai rencontré au festival. Il m'a lu ses poèmes. Vous n'êtes pas obligé de tout me raconter. Et après, il m'a proposé de venir m'installer ici. Alors je l'ai suivi. Pauvre petite. C'est sérieux entre vous et Tristan? Tristan est unique en son genre. Quand je pense à lui, je me sens... Vous savez... Cette pauvre fille avait gobé les mensonges de Tristan. Je n'allais pas la laisser gâcher sa vie. De toute façon, elle finirait bien par découvrir le pot aux roses. Écoutez, Mélissa, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais je dois vous avouer quelque chose. Oh, c'est une demande en mariage? Ces poèmes, Tristan ne les a pas écrits. Il les a recopiés. Évidemment. Pardon? Je le savais. Quoi? Vous me prenez vraiment pour une cruche? Non, j'ai cru qu'il vous avait ensorcelé en quelque sorte. Oh, George, c'est trop mignon. Je crois rêver. Je ne... Vous êtes venu me libérer. Mon chevalier en armure étincelante. Eh bien, ce n'était pas la raison de ma visite, mais j'y ai pensé. Oh, je pourrais vous embrasser tout partout. On se calme. N'oubliez pas la convention de Genève. Mais je ne fais pas de prisonnier, mon cher. Je vous crois. Ça fait longtemps que vous êtes au courant pour les poèmes. Depuis le premier jour. J'ai passé ma thèse à Cambridge sur les poètes irlandais du 19e siècle. Vous êtes doué. J'ai d'autres talents. Et Tristan ne sait pas... Que je suis au courant? Bien sûr que non. Je ne vais pas laisser une histoire de plagiat gâcher une bonne... Oui, je comprends. Mais les meilleures choses ont une fin. Je ferais mieux de filer avant que papa me retrouve. Un week-end à Acapulco, ça vous tente? Ça aurait été avec joie, mais mon visa pour Acapulco a expiré hier. Où étiez-vous? Je viens d'avoir une petite conversation avec Mélissa. Vous n'êtes pas chez vous, vous n'aviez pas le droit. Et vous? Vous aviez le droit de la séduire avec les poèmes d'un autre? Ce ne sont pas vos affaires. Elle avait le droit de savoir. Oh non, vous ne lui avez pas dit. Vous n'avez pas parlé des poèmes. On ne construit pas une relation sur le mensonge. Je dois lui parler. Je ne vous le conseille pas. Elle a besoin d'être seule. Elle va partir quelque temps chez des amis. Ça me plaisait assez de savoir que c'était lui qui avait été mené en bateau en fin de compte. Je devrais peut-être parler de vous au père de Mélissa, pour lui dire qu'elle est enfermée là-haut et que vous lui avez brisé le cœur. Vous ne feriez pas ça! Cette pauvre enfant, pensez aux conséquences! Il doit savoir la vérité. Je vous en prie! Non, ne faites pas ça, il me tuerait! Vous me brisez le cœur. Ceci dit... Oui, quoi? Si vous me dites ce que je veux savoir, je fermerai les yeux sur votre hôte. Je n'avais pas l'étoffe d'un maître chanteur. Et je me demandais soudain qui se faisait vraiment duper dans cette histoire. C'est d'accord. Est-ce que vous allez enfin me parler de... Il était ici, mais il est parti. Une nuit, pouf, il a disparu. A-t-il laissé quelque chose? Il était pressé. Il a jeté ses quelques affaires dans un sac avant de prendre la poudre d'escampette. Il a bien dû laisser quelque chose. Rien d'intéressant. Vous pouvez me croire. Une lettre, des notes, un numéro de téléphone? Non. Il a tout emporté, sauf... Ah, il a laissé quelque chose. Oui, mais... Qu'est-ce que vous allez faire d'un vieux caleçon? Un caleçon? Donnez-le-moi. Je l'ai trouvé dans le linge sale après son départ. Vous l'avez examiné? Non, mais vous me prenez pour qui? Formidable. Allez, je veux le voir. Vous êtes malade? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, quel manque de goût. Vous pouvez parler. Qu'est-ce que vous avez contre ma façon de m'habiller? Ben... Pas terrible, vos fringues. Surtout le pantalon. Enfin bref, je prends ce caleçon. J'ai compris, ça va.
Rebonjour. Tenez, voici un sou pour votre peine. Vous voulez bien regarder cette carte postale? Oh! Ah! Je vois un homme! Ça réduit le champ des recherches. Un homme, Bruno, fuyant le danger. Il n'est pas loin. Pourtant... J'avais percé à jour le mystère de la voyance. Il suffisait de savoir lire. Son empreinte psychique est trop faible. Cette carte a été manipulée par beaucoup trop d'autres personnes. Votre empreinte est beaucoup plus présente. Non. Vous allez faire un long voyage. Chouette. Est-ce que j'y vais revenir? Peut-être. Peut-être pas. J'aurai besoin d'un objet plus personnel pour vous en dire plus. D'accord, je vais vous donner de l'argent, une fois de plus. Pourriez-vous lire dans ce caleçon? Écoutez, je ne fais pas ce genre de choses. Je suis sérieux. Essayez de voir si vous trouvez une trace, une empreinte psychique. Très bien. Comment connaissez-vous mon nom? Un flash psychique? J'étais sur le pas de ma porte quand vous parliez à Imonomara. J'ai entendu votre nom quand vous vous êtes présenté, rien de plus. Ah, vous êtes maline. Donnez-moi l'article de lingerie, s'il vous plaît. Vous sentez quelque chose? Non, rien, je regrette. À part une forte envie de vomir. Oh non! Quoi? Que voyez-vous? Le souffle du dragon. Non! Un homme! Le dragon veut sa mort. Il n'a plus que quelques minutes à vivre! Les flammes! Non! Madame Zazie! Zazie! Elle était inconsciente. J'avais l'habitude. Mes caleçons ont parfois le même effet sur les femmes. À en croire Zazie, Bruno allait bientôt mourir. Je devais agir vite. Mais comment? Je ne savais même pas où il était. Un indice se présenta rapidement. Je n'avais pas le temps de discuter. La vie d'un homme était en jeu. Je tentais d'ouvrir la porte. Le pub n'était pas encore ouvert. Je n'avais pas le temps de discuter. La vie d'un homme était en jeu. Allez! Allez! C'était inutile. La porte était solide. Je n'étais pas assez fort pour l'enfoncer. S'il vous plaît, j'ai besoin qu'on m'aide. Je suis un esthète, pas un psychiatre. Je ne plaisante pas, il y a le feu. Quelqu'un est enfermé, la porte bloque le passage. N'en dites pas plus! Sous mon âme de poète se cache un cœur de lion. Je vous suis. Parfait. Merci, Imon. Pas de quoi. Dommage que les caméras ne soient pas là pour immortaliser cet instant héroïque. Je peux continuer seul. Vous êtes sûr? Je vais appeler les pompiers. Ensuite, j'irai régler son compte à cette saleté de hippie.
Et là-bas, attendez! Satan et moi, je hais ce type-là, mais je n'avais pas le temps de lui courir après. À en croire Zazie, Bruno allait mourir pour les vifs. J'entendais quelqu'un tousser à travers la fumée. Hé, hey, il y a quelqu'un? Criez pour que je vous repère. Par ici! Au secours! Aidez-moi! J'arrive! Ça va? Vous pouvez marcher? Je crois oui. Bien, allons-y. Tout va s'écrouler ici. Allez, on y est presque. Baissez-vous! Ah oh! Ça y est, je me suis baissé. Ouf, on a eu chaud. En effet, ce n'est pas passé loin. Merci. Je vous dois une fière chandelle. Ravi d'avoir pu vous aider, Bruno. C'est bien vous, n'est-ce pas? Je dois partir maintenant. Une minute. Nous nous sommes déjà vus. Je vous connais. Vous connaissez mon nom, mais je ne vous connais pas. D'où venez-vous? Un petit pays d'Europe de l'Est, au nom imprononçable. Ça y est, je me souviens. À l'hôtel Ubu, à Paris. Vous êtes Ostwald, le prix Nobel. Saperlipopette! Stobart? Vous êtes un néo-templier, espèce d'ordure. Non, écoutez, je ne fais plus partie de l'ordre. Ils étaient maléfiques. Le grand maître n'était qu'un charlatan. Ma dernière rencontre avec Bruno remontait à mon aventure contre une bande de type louche, les néo-templiers. Ça s'était mal terminé, dans un endroit appelé Saint-Lignan. Et c'est vrai que Bruno avait lâché leur confrérie avant le tomber du rideau. Admettons. Et qui vous en veut maintenant? L'ordre des Néo-Templiers n'a pas été dissous, seulement très affaibli. Et maintenant, ils réclament vengeance. À leurs yeux, je suis un traître. Ils n'oublient jamais, pas plus qu'ils ne pardonnent. Je sais, ils m'envoient rarement leurs cartes de vœux. Bonjour, général. Tout est réglé? Ça ne saurait tarder! Je vais chercher mon père d'ailleurs. C'était qui ce cinglé habillé en moine? Je ne sais pas. Peut-être un des sbires de Suzaro. Suzaro. Vous le connaissez? Pas plus qu'un étranger qui essaie de me tuer. Que faisait Suzaro au Congo? Au Congo? Oui, j'y ai trouvé une carte postale de vous. Elle m'a permis de vous retrouver. Bien sûr! Mon vieil ami Dudley Chumley. Vous voulez dire Cholmondeley? Non, non, non. Chumley. Il ne supporte pas qu'on l'appelle Cholmondeley. Ça ne le dérangera plus. J'ai bien peur que Suzaro ne l'ait trouvé avant moi. Et l'invention de Cholmondeley, elle marchait vraiment? Pauvre Dudley. Sa machine fonctionnait, oui. Mais seulement dans ce lieu précis. Pourquoi? C'est un foyer d'énergie naturelle, d'énergie géomantique, comme Saint-Nignan.
J'ai construit un instrument capable de repérer les sites les plus puissants. Et Suzaro fait la même chose? Bien sûr. Je ne comprends rien à ces histoires de géomancie. Imaginez le monde comme une entité vivante, traversée par des lignes de force. Comme des lignes telluriques? Ce sont des lignes telluriques. Les Chinois l'appellent le courant du dragon. Quel rapport avec Suzaro? Il existe un lieu, le temple du dragon, où l'on peut décupler la puissance des lignes d'énergie. Où se trouve ce temple? Son emplacement fut oublié il y a bien longtemps, mais je pense que Suzaro l'a retrouvé. Donc Suzaro voulait prendre le contrôle du site congolais pour utiliser son énergie? Non. C'était un site assez pauvre, et Dudley avait déjà épuisé presque toute son énergie. Mais Suzaro le savait. L'énergie de tel site ne l'intéresse pas. Il a autre chose en tête. Comment le savez-vous? Il est en train de détruire le monde. Vous avez entendu parler des tremblements de terre, des inondations? C'est Suzaro qui les provoque? Ce sont des effets secondaires. Tous les 1200 ans, les énergies augmentent jusqu'à leur apogée. C'est un phénomène naturel. Mais Suzaro est en train d'influer sur ce processus. Le monde court un terrible danger. Je crains qu'il n'ait utilisé le pouvoir du temple du dragon. Suzaro n'a pas l'air en très bonne santé. Il manipule l'énergie depuis trop longtemps. Au début, elle décuplait sa force. Mais maintenant, elle ronge sa part d'humanité. Il est mourant. Il ne combat plus pour le pouvoir, mais pour sa propre survie. Comment Suzaro a-t-il pris le contrôle des Néo-Templiers? À la mort du Grand Maître, l'Ordre a sombré dans le chaos. Suzaro en a profité. Ceux qui tentaient de s'opposer à lui étaient retrouvés morts dans la semaine. Donc Suzaro est le nouveau Grand Maître? Oui, mais il n'en porte pas le titre. Il a rejeté les oripeaux des Templiers. Il a rebaptisé l'Ordre en culte du dragon. Un culte voué à l'épanouissement de son pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? Tout ce qu'il veut, Stobart. Tout ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Glastonbury? J'étais à Paris. C'est un grand foyer de pouvoir. Les hommes de Suzaro m'ont retrouvé. J'ai bien failli y laisser ma peau. Je me suis réfugié ici. Pourquoi à Glastonbury? Vous voyez cette butte? C'est un lieu de pouvoir. Pensez à son histoire, aux légendes qui l'entourent. C'est ici que Saint-Michel a terrassé le dragon, vous savez. Sur cette butte. Oui, bon, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Oh que si, c'est la vérité. Les hommes de Suzaro vous ont donc suivi jusqu'ici? Ils sont à mes trousses. Vous voulez venir avec moi à Paris? Suzaro a de nombreux agents là-bas. Je serai en danger de mort. Vous ne pensez pas qu'il est temps de renverser le seigneur Suzaro? Stobart, vous n'arrêterez pas le culte du dragon tout seul. J'ai déjà arrêté les Néo-Templiers. Je ne vois pas où est le problème. Je vais régler son compte à ce plagieur. Alors comme ça, on veut me prendre ma fille? Je vais vous massacrer, petit fumier! La violence n'est pas une solution. Oh que si! Aïe! Aïe! Ouh! Alors, non, non, pas la tête! Non, pas la tête! Papa, non! Des ennuis? C'est juste une petite fête. Mieux vaut ne pas s'incruster. Deux jours perdus dans une cellule puante pour des accusations bidons. Ce crétin d'inspecteur, si jamais je le retrouve... Allô, vous êtes bien Alcatraz? Qui demandez-vous? Nico, c'est Candice. Où étais-tu passée? J'étais chez des amis. Le rédac-chef est furieux! Merci de me prévenir. Tu peux t'en occuper? J'essaierai. Merci.
À plus. Je ne savais toujours pas ce que Vernon avait de si spécial. Je me dis que je pourrais consulter mes messages. Vous avez des nouveaux messages. Nico, c'est André. J'appelle juste pour te dire que je suis de retour. Le voyage s'est très bien passé. Il faut absolument que je te raconte. Salut. Bonjour, mademoiselle. Écoutez bien, je vais vous dire un mot très important. Cuisine. Depuis quand n'avez-vous pas refait votre cuisine ? Je m'en doutais. Vous avez de la chance. Je représente les cuisines au beurre, le spécialiste des cuisines équipées. Je vous appelle pour vous parler de notre super promotion cuisine du moment. Vous pouvez bénéficier de 50% de réduction sur toute cuisine commandée avant la fin du mois. N'oubliez pas que votre cuisine en dit long sur vous. Ne laissez pas votre vieille cuisine gâcher votre vie. Oh, et inutile de nous téléphoner, je vous rappellerai personnellement. Nico, c'est ton rédac chef, tu te souviens de moi ? Je dis ça parce que ça fait deux jours qu'on t'a pas vu au boulot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec la police ? Appelle-moi dès que tu auras ce message. Je pourrais peut-être appeler quelqu'un ? Je ferais mieux d'appeler le boulot. Service de l'information, bonjour. Salut Candice. Il est là ? Il est en réunion. Il a laissé un message sur mon répondeur. Je lui dis de te rappeler dès qu'il a fini. Salut. Je songeais à quitter l'appartement. Il fallait que j'aille jeter un coup.